je vais vous lire un texte. Ça s'appelle La fille de Philippe. Ben, je vais lire 5 minutes, quoi. Oui. Enfin, bon, je vais lire. Est-ce que je peux m'arrêter? Bon, ben, je vais dire ça, puis après vous verrez. Après, on commencera le programme au début. Si le soleil tient entre les doigts, si vous m'entendez bien, si le soleil tient entre les doigts, ce n'est pas seulement parce qu'il est loin, c'est aussi parce que les yeux qui le voient y tiennent aussi et que les yeux ne sont pas plus gros que lui. Mais si nos yeux étaient plus gros que le soleil, nous ne verrions pas non plus, car il ferait nuit sans cesse. Le soleil trop petit dans le ciel ne pourrait plus éclairer la terre. Si la terre ne tient pas dans les yeux, ce n'est pas seulement parce qu'elle est près, c'est aussi parce que les mains qui la touchent n'y tiennent pas non plus, et que les mains ne sont pas plus grandes qu'elle. Mais si nos mains étaient plus grandes que la terre, nous ne toucherions pas non plus, car il ferait jour sans cesse. La terre trop petite sous nos pieds, ne pourrait plus en tournant arrêter la lumière du soleil. Nous voyons parce que nos yeux peuvent entrer dans le soleil et que le soleil peut entrer dans nos yeux. Si le soleil était plus gros que nos yeux, nous ne verrions pas, nous brûlerions le monde à peine nous ouvririons les yeux. Nous touchons parce que nos mains peuvent recouvrir toute la terre et que la terre peut recouvrir nos mains. Si la terre était plus petite que nos mains, nous ne toucherions pas. Nous écraserions le monde à peine nous ouvririons les mains. Pour exister, toute chose est à la taille que lui donnent les distances et l'espace qui l'entoure. Pour ne plus exister, il faudrait que toute chose ne puisse plus changer de taille et qu'aucune distance ni espace ne l'entoure. Sans les distances qui augmentent ou diminuent le volume de chaque chose, rien n'existe. Avec les distances qui augmentent ou diminuent le volume de chaque chose, tout existe. Les choses existent parce qu'elles ont une taille que seul l'espace sans fin peut déterminer et changer à tout moment. Les choses n'existent pas si elles n'ont qu'une seule taille parce qu'elles sont alors dans un espace qui a une fin et une taille. S'il n'y avait pas l'espace sans fin, le monde serait figé car il resterait à sa propre taille, à la taille de sa propre mort. Si l'espace n'a pas de fin, c'est pour que le monde soit toujours en mouvement et qu'il ne soit jamais de la même taille comme à la taille de sa propre vie. Dans un monde infini, dans un monde sans fin, les choses ont mille tailles et à la fois aucune, parce qu'elles sont immenses ou minuscules, petites ou grandes, infimes ou infinies. Mais dans un monde fini, dans un monde avec une fin, rien ne peut exister, car vivant, rien ne peut avoir une taille définitive. Dans un monde fini, dans un monde avec une fin, les choses n'ont qu'une seule taille et à la fois aucune, parce qu'elles n'existent pas. Mais dans un monde infini, dans un monde sans fin, tout existe, car mort, rien ne peut avoir mille tailles, tout n'a qu'une seule taille définitive. Nous sommes sans mesure, nous n'avons pas de limite, rien ne nous arrête. Au-dessus de nous, le ciel, au-dessous la terre, sous nos pieds tout continue, sur notre tête l'infini brille. Les distances sans fin nous ont donné la vie. Nous sommes à la fois immenses et minuscules, apparus et disparus, visible et invisible, nous sommes loin et à la fois près, très loin et à la fois très près. Nous sommes sans mesure, nous bougeons et nous nous déplaçons, nous voyons et nous volons, nous traversons le ciel sans laisser de traces. Nos yeux qui touchent ce que nous ne pouvons pas toucher avec nos mains nous rendent transparents devant nous. Nous plongeons nos yeux dans le ciel, nous nageons, l'air est devenu de l'eau, le monde n'a plus de sens parce qu'il n'a plus de dimension. Tout a perdu sa taille. La vie a tout transformé. Le soleil ne brûle plus. La terre ne tourne plus. Il fait jour. Il fait nuit. Il fait nuit. Il fait jour. Nous voyons. Nous ne voyons plus. Nous nous levons. Nous nous couchons. Nous nous couchons. Nous nous levons. Nous nous éveillons. Nous nous endormons. Comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Avec l'univers en explosion,
Comment avons-nous fait pour ne pas être réduits en morceaux, mis en poussière? Nous sommes si fragiles, le moindre choc nous blesse. Un temps très court nous tue et nous fait disparaître dans l'infini éternel. Les extrémités de notre corps, le découpage de nos pieds et de nos mains, l'ouverture entre nos jambes ne serait-il pas dû à l'arrachement de notre corps dans notre chute sans fin, dans le vide au-dessus de nous? Ce temps de vie très court qui est donné à chacun de nous, le peu de temps qu'il nous reste encore et toujours à vivre, la fragilité de nos organes, la finesse de notre peau, notre sang qui coule à la moindre égratignure, ne serait-ce pas déjà une agonie, une vie en sursis, le dernier instant à vivre, la dernière minute avant de mourir, la minute après l'explosion qui nous a projetés jusqu'ici pour nous faire apparaître? Nous voyons, nous touchons, nous parlons, nous pensons, nous nous déplaçons et nous vivons encore cette longue minute pleine de lumière qui nous éblouit sur la terre. N'avons-nous pas existé avant, avant cette explosion qui nous a menés jusqu'ici? Dans l'explosion de quoi avons-nous trouvé la vie? Notre existence n'est-elle due qu'à un immense bouleversement, un bouleversement qui aurait tout mis en mouvement, car peut-être alors rien ne bougeait, tout était figé, quand quelque chose se serait mis soudainement à éclater? Nous sommes vivants parce qu'en explosant, ce qui n'était que presque rien s'est étendu et est devenu immense jusqu'à tout recouvrir, recouvrir tout ce qui n'existait même pas. Et ce qui n'était que presque rien s'est répandu partout à l'infini, dans l'espace même qui n'existait pas encore, faisant naître le vide sans fin, ne s'arrêtant jamais, allant là où rien ne pouvait aller, créant tout l'univers sur son passage. L'univers qui n'est pas fini et qui continue de grandir à chaque instant autour de nous jusqu'à disparaître, jusqu'à être si vieux et que tout s'arrête. Quand l'infini s'arrêtera de grandir, la Terre n'aura plus la place de tourner, le Soleil ne pourra plus nous éclairer, l'espace devant lui sera trop petit pour que son feu puisse encore se projeter et devenir de la lumière. À l'étroit dans le vide, ses flammes se retourneront contre lui et il brûlera le monde. Tout se compressera, le soleil explosera, la terre diminuera de volume jusqu'à devenir pas plus grosse que nos yeux entre nos doigts. Bonjour, être là. Merci, merci Jean-Luc. Merci pour cette lecture. Merci pour cette lecture qui est un bon prélude. Hein. Ça nous plonge directement dans. Dans ton écriture, dans ta poétique. Voilà, oui, et puis toi, je pense que lire ton texte, ça te permet d'atterrir après toute cette traversée de la France depuis la Normandie. Ah bon. Moi, je croyais que tu parlais du texte. Non, 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 mais je pense que lire, ça te ouais. pose dans ouais. quelque ouais. part, quoi. Ouais. Après toute cette journée itinérante. Ouais. Ça oh, non, je ne suis pas aperçu. Ouais. Avec je crois d'ailleurs que ouais. dans un infini, à propos de cette distance que j'ai pu faire. Ça n'existe pas. On fait toujours du sur place. Les gens voyagent, font des milliers de kilomètres. Ils font dans un infini faire même parcourir ce que nous parcourons tous les jours. C'est-à-dire la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même. Donc la nuit et le jour et la nuit, non seulement, mais aussi dans le mouvement de translation. Donc et l'hiver aujourd'hui, et ensuite le printemps, après l'été, après l'automne, c'est quand même des millions de kilomètres que nous parcourons, donc à chaque instant, chacun. Et donc c'est pour ça que se déplacer, au fond, nous sommes immobiles devant un espace sans fin. Et donc parcourir ce que nous parcourons ne change rien. Et même ce que nous parcourons tous les ans, ces millions de kilomètres que nous avons fait pour passer une année, et toutes ces saisons, et toutes ces nuits et jours, on a fait du surplace dans un infini, puisque ce n'est pas des milliards de kilomètres, l'espace, c'est une infinité. Alors, moi, c'est ça, c'est concevoir l'infini, parce que si on ne peut pas, c'est difficile, l'infini, c'est pas des milliards, c'est des milliards, et des milliards, et des milliards, et des milliards, après je continue infiniment, jusqu'à ma mort, pour le dire. Et encore, ça ne suffirait pas, évidemment, jusqu'à maman, ça s'arrête là, il faudrait qu'il reprenne lui. Des milliards et des milliards, parce que voilà, donc, c'est vraiment, on est dans un espace sans fin. Donc, si on ne se conçoit pas dans un espace sans fin,
Donc on ne peut pas, on ne peut plus penser. On pense, parce que je crois qu'on est dans un espace, enfin, mais ce qu'on prend conscience de cette... Enfin, je pense qu'on en a conscience, sinon on ne pourrait pas vivre. Mais par exemple, dans certains pays, ceux qui sont limités, enfin, il y a des pays avec des frontières, enfin, tous les pays d'ailleurs, ils ont des frontières, c'était pour nous bien nous retenir, quoi. Parce que dans un espace sans fin, si on ne nous retient pas, on s'envole, quoi. Bon, on va disparaître, enfin, on va aller ailleurs, enfin. On va se les confier. Merci. Je crois que là, on y est, hein. Voilà. Non, mais moi, je veux juste te remercier d'être là, ainsi que Christelle, et on est très contents. Remercier Gérard et Sylvie de nous avoir accueillis, puis vous remercier de tout l'effort que vous avez fait pour installer cette expo, qui est là depuis quelques semaines et qui est très belle, et sur laquelle on a travaillé aussi un peu. On s'est baladé dedans, on a écrit des textes. Et voilà. On en parlera demain. Oui, tout ça, on en parlera demain, hein. Donc nous, avec les étudiants, nous, ce qui nous intéressait dans le cadre de notre master, hein, ils vont en parler un peu tout à l'heure aussi, c'est la thématique écrire l'invisible, ou comment ton œuvre à la fois plastique et poétique nous questionne finalement sur qu'est-ce que c'est créer, sur la relation entre le fait d'écrire et le fait de modeler, dessiner, c'est quand même pas commun, quoi, et c'est ça qui nous a intéressés. Ta démarche est vraiment très singulière. Voilà. Le rapport aussi de la vision à l'écriture, très, très fort. Voilà, c'est l'affirmation du non-voir, de tout ça, bon, l'invisible, le non-voir, est vraiment une interrogation très forte. Et puis, c'est lié à ta perception du monde qui pose justement la question de qu'est-ce que c'est que le réel, quoi, qu'est-ce que c'est. L'invisible, en fait, c'est le réel, quoi, pour toi. Et bon, là, je ne pose pas une question, parce que c'est eux que je voudrais laisser te parler. Voilà, moi, j'étais juste là pour introduire un peu et voilà, te remercier d'être là, remercier tout le monde d'être venu. Et je vais peut-être demander à Adeline... qu'elle te présente, et pour aussi les personnes qui se sont déplacées, notre formation, pour que vous compreniez pourquoi c'est important pour nous de faire venir Jean-Luc Parent. Là, avec Émilie, on va présenter le master, mais comme Edipas l'a dit, donc, la rencontre d'aujourd'hui avec Jean-Luc Parent a été organisée sous la direction de Paris, en partenariat avec la librairie Études, par le master donc métier de l'écriture, un master qui est dirigé par Madame Sylvie Bigny. Donc on va vous dire quelques mots sur cette formation récente, relativement récente, puisqu'on en est à la troisième promotion et que peu de personnes connaissent. Donc l'idée de départ, c'est qu'il existe en France des formations pour tous les arts. Par exemple, le conservatoire ou la fac de musicologie pour la musique, les beaux-arts pour les arts plastiques, etc. Et en fait, il n'y en avait pas vraiment pour l'art d'écrire. Il y a des cursus de lettres modernes, bien sûr, mais ils sont plus centrés sur l'art de lire, finalement. Que ne pouvaient l'être, par exemple, les Creative Writing Studies dans le monde anglo-saxon. Il n'y avait pas vraiment ça en France. Donc, notre master, le master métier de l'écriture, qui jusqu'à présent s'adapte et se réinvente chaque année, puisqu'il est relativement récent, comme l'a dit Adeline, notre master, il a un double objectif. Donc, d'une part, il s'agit de proposer un cadre à des étudiants qui aiment écrire. Donc ça, c'est un cadre littéraire, créatif, qui se traduit par des ateliers d'écriture, par exemple. Et d'autre part, le master étant professionnel, hein, c'est précisé dans l'intitulé, eh ben, il s'agit de mettre en contact les étudiants avec le monde, justement, professionnel de l'écrit. Les étudiants que nous sommes vont être amenés à faire des stages, par exemple, s'ils le souhaitent, dans des maisons d'édition, librairies ou autres. Donc, finalement, on pourrait dire que cette réaction, elle est portée par une hypothèse, un pari, peut-être même un défi. Si écrire apparaît comme une nécessité pour l'écrivain, une expérience qui peut partir d'une intuition, une épreuve quelque peu solitaire, peut-être est-il cependant possible d'entourer cet acte créatif d'un cadre collectif et nourrissant, de le prolonger par une réflexion commune et des compétences techniques. C'est la question qu'on se pose dans ce cas.
Voilà, et donc parmi nos activités professionnalisantes, il y a notamment l'organisation d'événements, de rencontres littéraires comme celle de ce soir. Et, mais avant que les étudiants ne reprennent la parole, nous la passons à Gérard Tinet et Christelle Loquet pour vous présenter notre invité de ce soir. Ah, si tu veux, hein, Gérard. Bien, il faut que tu me présentes. Mais bon. Pourquoi ? Bon, ça va être un peu. Alors voilà, je. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. C'est vrai que je vais venir, mais si elle est là, c'est super. Le paradoxe, quand même, c'est que Jean-Luc Parent, finalement, est quelqu'un qui est à la marge de plein de choses. On t'entend pas. Je disais que Jean-Luc Parent, finalement, c'est un paradoxe, il est à la marge de tout un tas de domaines, tout un tas de choses. Et notamment celui de l'écriture. Et même celui des arts plastiques. C'est-à-dire qu'il est parti en pensant peut-être que le monde était à refaire ou à faire ou à continuer à faire, ou en tous les cas, lui avait envie de le faire. Il a commencé à écrire, il a commencé à modeler, à redessiner, à refaire, à recomposer tout ce qui était déjà en place dans les divers domaines d'expression et les divers domaines de réalisation. Ça ne lui suffisait pas, il fallait qu'il le continue, qu'il le reconstruise à sa façon, à sa manière. Je pense qu'il est à sa manière en dehors des présupposés de formation. Et, oui, enfin bon, c'est un petit paradoxe, parce que bon, il a fait les beaux-arts, mais ses gestes, les gestes de ses créations, ou l'écriture, la création de son écriture, procèdent d'un mode opératoire relativement ordinaire. Il n'y a pas de savoir-faire très spécifique pour faire des boules en terre. Ce n'est pas un sculpteur au sens où il a appris à tailler, à soustraire la pierre pour pouvoir dégager la forme, ou à accumuler la pierre pour pouvoir organiser la forme. Il fait des boules. C'est-à-dire, c'est un geste ordinaire, c'est un geste primitif, c'est un geste qui ne s'adresse pas ou qui ne provient pas d'un académisme qui aurait été formulé par quelques maîtres ou quelques civilisations qui auraient voulu que ça puisse se déployer, se développer. Voilà, donc c'est ça le paradoxe de Parent, c'est-à-dire une reconstruction de tout un tas de gestes, mais de gestes qui ont leur importance, c'est-à-dire fabriquer, dessiner, écrire. Fabriquer, dessiner, écrire. Fabriquer, c'est aussi les objets. Finalement, notre monde, il est fait d'objets, il est fait de mots, et l'effet d'image. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui nous permettent d'appréhender le monde, de le construire. Des mots, des images, des objets. On n'a que trois. On n'a que ces trois choses. Eh bien, Jean-Luc Parent s'est emparé de ces trois choses et continue à fabriquer le monde. J'espère que je ne suis pas trop confus. Moi, pour moi, c'est assez clair. Mais c'est vrai que c'est difficile à développer. Qu'est-ce que j'avais dit ? Je ne sais pas si tu es d'accord, hein. Tu me regardes, tu te mets mes fiches. J'avais dit quoi ? Ouais, Jean-Luc Parent ne naît pas de ce qu'il est, c'est-à-dire un artiste. C'est vrai que souvent on dit il est né artiste. Non, Jean-Luc Parent n'est pas né artiste. Il s'est fabriqué artiste. Il s'est construit artiste. Il n'y a pas d'artiste a priori. Il s'est fabriqué. Il enchante des mondes de presque rien. De presque rien, fait d'argile et de papier. Pas grand-chose de plus. Et de cire. C'est peut-être la matière la plus élaborée que tu aies travaillée, la cire. Elle demande une technicité qui est peut-être plus élaborée que celle de modeler de la terre fraîche. Et encore. Et de tout ce qui peut passer par les mains et s'offrir au regard de qui veut toucher. Donc le regard et le toucher. Le regard, les yeux et la main. Voilà un peu les univers à partir de quoi se fabrique la création de Jean-Luc Parent. Alors, oui, je ne lis pas tout, parce que ça serait bon. Oh, je ne sais pas. Je fais non, comme tu veux, ensuite non, on va passer. Enfin, c'est bien, ouais, ça, bien ça, ça va. je reviens à la place. Non, j'ai un c'est parfait, voilà. Non, mais tu peux continuer. Comme tu veux. Non, mais je pense à quelque chose. Il y a un élève qui a dit qu'il y avait. En fait, c'est parti sur une révélation. Bon, moi, j'écris parce que.
J'ai pris conscience à un moment, quand j'étais très jeune, que je voyais avec ce que je ne voyais pas. Et je crois que tout, avec mes yeux, donc, je voyais avec mes yeux que je ne voyais pas moi-même. Et donc, oui, c'était tellement paradoxal de voir avec une partie de soi que l'on ne voit pas, et la partie en particulier on ne voit pas du tout de soi-même, ce qui est d'ailleurs normal, ça paraît un peu, un peu étrange de dire cela, mais nous voyons donc avec une partie que l'on ne voit pas, donc les choses nous apparaissent avec... on voit, nous voyons avec quelque chose que nous ne voyons pas et que nous ne pouvons pas toucher. C'est très important, enfin, parce que ne pas voir, pour parler de l'invisible, donc on voit avec l'invisible, on voit à partir de l'invisible. C'est très difficile de croire en ce qu'on voit à partir du moment où on ne voit pas ses propres yeux. Je crois évidemment en mes yeux qui me montrent le monde. Mais comment croire à ce que je vois puisque je ne vois pas mes propres yeux? Quand je crois, moi, beaucoup plus à l'invisible qu'au visible, c'est sûr. Évidemment, d'ailleurs, chacun, je pense qu'on croit beaucoup plus en l'invisible qu'au visible. Enfin, même dans les croyances. On ne pourrait pas vivre, je pense, que si on croyait au visible, vraiment plus qu'à l'invisible. Parce qu'on croit plus en ce que l'on ne voit pas que en ce qu'on voit, que l'on peut exister et vivre. Et donc, oui, alors, ces yeux que je ne vois pas, je ne peux pas les toucher en plus, parce que je ne les vois pas, donc ils sont dans la nuit. Donc pour nous-mêmes, ils sont dans la nuit. Après, ça a été... après, j'ai développé, enfin, toutes ces choses-là. J'ai écrit beaucoup de livres sur ces yeux que je ne voyais pas, et sur ces yeux que je voyais pour les autres. Parce que c'est la première chose que je vois. C'est quand même nos yeux, c'est ce qui nous identifie, parce que si il fallait qu'on ne se montre pas, on rendrait les yeux. Enfin, moi, je serais rentré ici, les yeux bandés, pour pas que vous puissiez me reconnaître. Donc, c'est par là qu'on peut se reconnaître chacun. Et donc, je ne vois pas par où je peux me reconnaître. Déjà, vous voyez, c'est assez étrange de ne pas se voir par où on peut se reconnaître pour soi-même. Oui, je parlais de l'intouchable parce que je parlais de l'invisible. Enfin, je vois pas mes yeux s'ils sont dans la nuit, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui me tient continuellement. Et donc, comme ils sont dans la nuit, c'est pour ça que vous les voyez. Vous voyez, parce que si le soleil, par exemple, si là j'allume une bougie, par exemple, dans la lumière, au fond, je vais éclairer rien d'autre que ce qui est déjà éclairé. C'est-à-dire que la bougie, ce sera une flamme qui brûlera. Alors que s'il fait nuit, évidemment, la bougie éclairera qui nous entoure. Enfin, tout ça pour dire que le soleil, s'il éclaire, c'est parce qu'il brûle dans la nuit. C'est parce que le soleil brûle dans la nuit, parce qu'on ne se rend pas compte, on ne prend pas conscience, mais le soleil, dans la nuit totale, c'est pour ça qu'il nous éclaire. Donc mes yeux que je ne vois pas, ils voient et vous les voyez, parce que pour moi, ils sont dans la nuit. Mais là, je ne vais pas commencer avec ça, parce que ça va être trop long. Je verrai demain matin. Oui. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est important que tu parles. Ils vont te faire parler aussi, ouais, les étudiants. C'est parce que, ta parole qui nous l'intouchable des yeux, parce que je ne peux pas mettre mon doigt dans l'œil, quand mes yeux sont ouverts. Donc l'intouchable, ça serait le jour. Et l'invisible, ça serait la nuit. Alors, donc il y a les deux. Alors, je peux toucher mes yeux quand ils sont fermés, c'est-à-dire quand il fait nuit. Quand il fait nuit, je peux toucher. D'ailleurs, c'est vrai, parce qu'ils me disent en même temps que je peux toucher le monde. Enfin, si je peux les toucher, c'est que je peux toucher le monde. Quand c'est ouvert, c'est que je ne peux pas les toucher, donc je ne peux pas toucher le monde, je peux le voir. Vous voyez, voir et toucher, c'est plus voir. Enfin, je crois qu'une vraie voyance, c'est voir ce qui est intouchable. Et d'ailleurs, voir, ce n'est que voir ce qui est intouchable. C'est voir ce qui est loin et pas à notre portée. Enfin, j'ai toujours dit que ici, là, jusque-là, c'est la nuit, quoi, vous voyez. Bon, à partir du moment où c'est au-delà de ma portée, quoi, c'est la lumière. Mais là, ici, c'est la nuit autour de moi, vous voyez. Donc, parce que je peux toucher, je peux atteindre les choses, donc je suis dans la nuit, mais au-delà, voilà,
et où les choses changent de taille aussi. Ce que je disais dans le texte, là, ça me fait penser à ça, c'est que d'un seul coup, vous voyez, Lydie, elle est grande comme ça, là. Alors que si j'arrive à la toucher, elle sera de sa taille. Alors voilà, c'est ça que je voulais peut-être parler demain, si ça vous intéressait. Oui, ça nous intéresse. Parce que le soleil, comme je disais dans le texte, si vous le regardez demain matin, il tient comme ça, vous voyez. C'est-à-dire, il est exactement de la taille de nos yeux. Et alors, je me suis dit que j'avais découvert des tas de choses moi-même. Vous voyez, par exemple, que j'avais les yeux qui étaient à la taille du soleil. Et que s'il était plus gros, ce qu'on nous raconte, évidemment, qu'il est 10 fois plus gros que la Terre, mais ça n'existe pas. On ne raconte que des choses qui sont des mensonges, parce que si vous... oui, ça n'existe pas. Si ça existait, on aurait tous disparu depuis longtemps, on ne serait jamais apparu. Donc il n'existe que de cette taille-là, il n'existe pas autrement. Parce qu'il serait plus gros déjà, et j'aurais un œil comme ça. Donc, vous voyez, le monde n'est pas, vous voyez, on a réussi à supporter la Terre qui tourne autour sur elle-même et tout autour sur elle, parce que les choses se sont transformées à être vivables, c'est-à-dire c'est la nuit et le jour et la nuit, le mouvement, et donc on sent rien, on ne sent pas du tout le mouvement de la Terre sur nos pieds, alors qu'elle tourne quand même assez vite. Surtout qu'elle avance à une vitesse folle autour du soleil, mais c'est simplement l'hiver, et c'est un peu long d'ailleurs, mais et puis après le printemps et l'automne et l'été, et tout ça est pris dans un mouvement de façon à ce que nous puissions vivre ici, parce que sinon nous serions projetés infiniment loin si tout ça n'avait pas été dans notre tête quelque chose qui était autre qu'un mouvement, qu'un soleil énorme qui explose continuellement. Et que la Terre qui tourne à toute vitesse autour du globe, ce qui est la réalité même, mais qui n'existe pas pour nous. Et pourtant, vos pieds touchent le sol. Hein. Parce que s'il n'y avait pas toute cette giration, on serait en train de voler au plafond. Ben, bien sûr, oui, c'est ça. Et alors, ça, c'est étrange quand même, c'est extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas dû à notre pensée à la vie, quoi, simplement? Est-ce que ce n'est pas la vie qui a tout arrêté? De façon à ce que tout soit vivable. Tout est vivable. Sinon, parce que nous sommes dans un endroit de l'infini qui est invivable. Enfin, justement, peut-être c'est un endroit tout à fait extraordinaire qui nous permet de pouvoir tout au fond, peut-être parce que nous sommes tout au fond, peut-être à un endroit très particulier où on peut justement supporter ces mouvements et que tout se transforme autrement. Parce que je crois que si on était projeté en dehors, oui, parce que mon écriture, au fond, elle, bon, elle n'est pas scientifique, mais moi, ça a été une révélation de ne pas voir mes yeux, de ne pas pouvoir voir mes yeux, et, d'autant plus que les regardant dans la glace, ils sont morts. Enfin, je ne peux pas les bouger si je les regarde dans une glace, si on regarde ses propres yeux dans la glace, si on veut voir eux, on les voit figés. Mort, on se voit mort, on fond dans une glace. Et en plus, on ne voit que nos yeux vus par l'autre. On ne voit pas nos yeux vus par nous-mêmes, parce que par nous-mêmes, nous ne les voyons pas. Pour ça que demain, j'aimerais bien parler de l'autoportrait. Je m'intéresse beaucoup, justement, à propos que comment peut-on se regarder dans la glace et faire son autoportrait. C'est pas possible, parce que nos yeux doivent se diriger vers l'autre. Si je dirige mes yeux vers moi, parce que je ne vis pas avec un miroir devant moi, nous ne vivons pas avec un miroir devant nous, nous n'avons pas de miroir, enfin à moins que l'air transparent soit un miroir, à moins que tout soit une réflexion. Mais parce que moi, ce que je vois de moi, ce que vous voyez de vous, c'est nous sommes des parties, j'ai une épaule ici à gauche, et après mon épaule à droite, bon, c'est plus, quoi. Enfin c'est une addition. C'est donc dans la nuit, je suis bien dans la nuit totale, puisque je suis obligé de, vous voyez, de me dire, bon, là, je vois là, après, parce que si je ferme les yeux, je sors dehors, je vais être obligé, il y a une table ici, après une autre. Là, je suis donc dans la nuit totale. Et donc, les choses que je vois de moi-même,
et que je vois pas, enfin, il y a une moitié, enfin, je pense que entre ce que je vois de moi, ce que vous voyez de vous et ce que vous ne voyez pas, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes proportions que. C'est tout est bon, relatif, mais je pense que la nuit, là où il fait maintenant, il fait nuit, et le jour de l'autre côté, on est égal à peu près, vu la dimension de la Terre et la dimension de notre corps. Je pense que la partie nuit de nous-mêmes, qui continue sur nous, c'est cette nuit, ce côté nuit, et ce côté jour correspond à peu près, je pense, au côté jour et au côté nuit de la Terre. Enfin, on est à peu près à égalité, je pense que sinon on ne pourrait pas exister. Ce que je vois de moi, c'est ce que je vois de la Terre, et ce que je ne vois pas, c'est ce que je ne vois pas, et où il fait nuit. Et c'est l'autre côté. Quoi. Enfin, parce que là, mon dos, par exemple, c'est très difficile, c'est aussi difficile, ce serait encore, que de voir en plein jour, si en plein jour, je voulais voir la Terre où il fait nuit, vous voyez, si en plein jour ici, il fallait voir avec quel mouvement, vous voyez, ce serait une gymnastique, enfin, d'ailleurs, parce que là, c'est, je ne peux pas là, voir mon dos, c'est pas possible. Et donc voir ma face non plus, et me voir tout entier non plus, comme si, d'ailleurs, pour nous-mêmes, nous ne pouvions pas arriver, et nous ne pouvions pas partir, vous voyez. Moi, je ne me verrai jamais de dos, et je ne me verrai jamais de face. Alors, je suis là, voilà, ici, voilà, mais je ne peux pas me voir, je ne peux pas me voir, ni vous, ni personne, ne peut se voir partir, ni arriver, parce que nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants, et donc... Nous sommes ici, dans le présent, et donc je ne pourrais pas partir, et je ne pourrais pas arriver pour le moment. Peut-être que quand on est mort, on se voit de dos, et peut-être qu'on s'est vu arriver, mais on ne se rappelle plus. Parce que c'est juste pour vous donner une idée du monde. Je pense qu'on va parler de plein de choses demain, mais j'aimerais juste parler un petit peu de la main. Parce que vous dites que tout ce qui est à portée de main, c'est la nuit. Mais dans le rapport entre les yeux et le monde, il y a des rapports d'échelle qui sont toujours perturbés, qui changent tout le temps. Et peut-être que la main, c'est ce qui permet de rétablir un rapport. C'est un peu c'est médiateur entre les yeux et le monde. Ouais. Je voulais ça. Comment vous sentez le travail de votre main, que ce soit en faisant des boules, dans l'œuvre plastique, mais aussi dans l'écriture, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui permet de rendre possible un rapport avec eux? Alors, heureusement qu'on n'a pas que les mains pour saisir le monde, parce que les mains, elles ne changent pas de taille, c'est-à-dire ce qu'on peut saisir, c'est de la taille de la main. Et alors, avec les yeux, les yeux développent, c'est une main, disons, sans fin, enfin, et infinie, c'est démesuré, quoi, puisque, disons que moi, j'ai toujours essayé de faire le rapprochement, enfin, de comparer l'œil à la main, et c'est une main transparente, immense, vous voyez, et donc avec la main, on remet les choses à leur taille, vous voyez, pour avoir la taille des choses, obligé de les toucher parce que les yeux nous trompent. Et ce que je disais, Lydie était grande comme ça tout à l'heure, enfin toujours d'ailleurs, parce que j'ai pas bougé de place. Mais si je me recule un peu plus, ça sera comme ça. Et c'est extraordinaire. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que et plus je m'approcherai d'elle, et plus elle sera grande. Et plus elle sera à sa taille, évidemment. Mais non, ce que je veux dire, ouais, ça c'est important parce que. Je pense que c'est toute l'histoire de la peinture aussi, et aussi de l'écriture, parce que c'est le déchiffrement, enfin, je pense que dans les doigts, il y a les mots, quoi. On a pu écrire, parce que si on avait que les yeux, on ne pourrait pas, pas saisir, vous voyez. Et donc, je trouve ça extraordinaire qu'un animal, à n'importe quel autre être vivant que nous-mêmes, êtres humains. Si je vous montre ça, quoi, bon, vous voyez, voilà, c'est quand même extraordinaire que nous puissions, bon, enfin, pas dans le game, parce que là, si je mets la main, évidemment, vous voyez, il n'y a rien, enfin, bon, si vous voulez toucher, moi, je ne sens rien, quoi.
Donc on sent rien. Ça, c'est quand même extraordinaire de rien sentir. Parce que quand même, c'est tout notre savoir. Tout est fait là-dessus, mais pourquoi nos mains, pourquoi c'est pas en relief aussi, pourquoi, enfin je parle pas des aveugles, mais pourquoi nous sommes un corps, avec une matière nous sortons d'un corps, pourquoi on se retrouve avec quelque chose qui n'existe pas, ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'écrire aussi c'est terrible, parce qu'il n'en reste rien, il n'y a rien sur ma main, parce que comment nous allons finir tous. Nous sommes une matière, du sang, des os, un corps, de la chair, nous sortons de ce corps. Alors on dirait que ça, on sort de l'espace, quand on vient de l'espace, on est invisible, et on est arrivé quand même à quelque chose de rien, parce que déchiffrer ça, ça paraît extraordinaire. Comment nous arrivons à déchiffrer des choses pareilles, alors que les yeux d'autres êtres vivants, comme un chat, par exemple, mon chat, puis celui-là, même si je mets une lunette, c'est extraordinaire parce que, si vous voulez, il est arrivé une chose comme ça, il y a des... parce que ça, c'est récent, ça, pour nous. Parce qu'une photo, par exemple, la photo de ma maison à moi, vous voyez, vous montrez la photo de ma maison, je me disais, mais elle n'est pas de cette taille, il y a des marches, il y a des odeurs, il y a rien, mais il n'y a rien, c'est pas ma maison. Et donc, ça, il faut réaliser que c'est quand même terrible. Je trouve ça terrifiant qu'il n'y ait rien. Quoi. Nous n'utilisons pas notre corps, nous n'utilisons pas ce qui nous fait naître et mourir. Adeline ? Vous voulez parler ? Oui, je voulais faire une petite introduction à nos questions, mais qui ont déjà un peu démarré, mais ouais. C'est... Ouais. Bon alors, quand on regarde l'étendue de votre œuvre, on a le vertige. Il y a des livres, des photos, des tableaux, et en même temps, les textes sont des tableaux, les statues, donc les boules, c'est aussi l'image que prennent la plupart de vos textes. Ouais. En même temps, les textes sont sur les boules sont sur les tableaux. Ouais. Donc tout s'entrecroise, tout se complète. Donc du coup, on a dû s'intéresser quand même à quelques textes particuliers, parce que c'est difficile d'embrasser tout. Ouais. Voilà, donc les yeux suite sans fin, les yeux et l'autoportrait. Pour nous intéresser du coup à la notion d'invisible qui était le thème qu'on voulait aborder. Ouais, mais ça on va en parler demain. Hein. J'ai plein de choses à dire là-dessus que j'ai découvert, enfin qui me semble avoir découvert. Cette histoire de. Vous voyez, c'est juste. C'est un peu bête. Si vous passez à la télévision, on va vous voir. Je vais vous reconnaître. Mais si vous ne passez pas à la télévision et que vous serez à côté de moi, est-ce que je vais vous reconnaître, vous croyez ? Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais. Non. L'écran fera que vous aurez. Les gens qui passent à la télévision, ils reconnaissent dans la rue. Mais les gens qui sont à côté de nous et qui sont. Et qui serait passé à la télévision, on a du mal à dire, c'est lui, c'est pas lui. À la télévision, c'est bien lui. Derrière un écran, oui, nous sommes devant un écran. Alors l'écran, c'est la télévision, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone portable, c'est de plus en plus. Et d'accord, il n'y a plus que ça. Donc nous sommes là maintenant, dans un temps où tout est réfléchi. C'est pour ça que je parlais là, pas de réflexion. Là, il n'y a pas de réflexion. Vous voyez, c'est que tout est derrière un écran. Et donc, alors, on ne peut plus atteindre, parce qu'on va nous empêcher, vous voyez, de toucher. Vous voyez, on nous empêche de toucher, d'ailleurs. Je me disais, alors là, je touche ma tête, bon, ben, vous trouvez ça normal, après tout, on dit tout là, si je touche ma tête, bon, si je me touche là, alors, excusez-moi. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne la vois pas.
Et donc, vous trouvez ça normal que je me touche là, puisque je ne le vois pas. Je suis dans la nuit. Donc, c'est normal que je me touche, puisque je ne le vois pas. Bon. Mais me toucher le pied, par exemple, je me touche. Et vous regardez, vous allez regarder. Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est un miracle, je suis... Parce que je vois mes pieds, vous voyez. Bon, enfin, bon, ça a l'air un peu comme ça. Mais... Je parlais de ça parce que je parlais de l'écran. Je voulais parler de l'écran. C'est très important, quoi. C'est terrible, ces écrans. Vous voyez, c'est des gens par millions qu'on va tuer un jour par écran. Vous voyez, c'est top, on appuie sur un bouton et hop, tout va disparaître. Oui, parce que ce que je vous disais, il dit par exemple, elle est comme ça, mais si je me recule, elle disparaît. Vous voyez, donc l'écran, ça va nous faire des distances où les choses vont pouvoir apparaître en nombre et en même temps se réduire et disparaître. Vous voyez, donc on n'aura plus, on ne pourra plus. Se rendre compte que en fait tout peut disparaître dans un écran parce que tout sera vu de loin. Et que vu de loin, vous êtes d'accord que quand même on croise énormément de gens dans la journée qu'on n'a jamais vu et aussi des gens qu'on ne reverra plus. Et donc, vous voyez, moi, pour moi, c'était une révélation ça d'attendre. D'attendre quelqu'un et m'asseoir sur un banc et voir passer des gens que je vois pour la première fois et que je ne reverrai plus jamais. Donc ils apparaissent et disparaissent aussi vite. Donc ils existent et ils n'existent plus, je ne reviens plus jamais. À moins que je revienne sur les bancs tous les jours le même et que les mêmes gens passent devant moi. Mais nous croisons des millions de gens, des centaines de millions de gens en tout cas. Le temps que nous ne reverrons jamais. Nous ne savons pas ce qu'ils sont venus. C'est terrible. Et oui. Ah, si vous voulez, je pense que c'est quand on ne tuera plus les animaux qu'on se tuera plus. Mais même une mouche, même un moustique. C'est quand. En plus, quand on ne tuera plus les animaux, enfin il va falloir 1000 ans, hein, si on commence maintenant, il faudra 1000 ans, on pourra toucher, caresser les oiseaux, ils viendront ici sur la table, il y aura des bêtes ici qui rentreront, et on pourra les caresser, ils n'auront plus peur. Je vois que les animaux ont très peur de nous quand même. Donc c'est ancestral, il y a quelque chose qui dure depuis des millénaires, où ils nous fuient, quoi. Et donc je crois qu'il faudrait ne plus tuer même. Je vous dis, même un moustique, même un microbe, faire attention quand on marche, puis des fois il y a des fourmis, enfin des petites bêtes qui vivent, qui sont faites comme nous. Vous voyez, donc c'est terrible parce que. Donc c'est après qu'on ne pourra plus se tuer. Alors, il faut du temps, là, il faut des millénaires, parce que pour que les oiseaux viennent nous voir, ils se fassent caresser par nous, vous vous rendez compte le temps qu'il va falloir pour qu'ils puissent avoir oublié, vous voyez, que je l'ai tué, vous voyez, ou que tu as un seul petit geste comme ça et l'oiseau s'envole. Enfin, c'est quand même assez monstrueux, quelque part, par rapport aux êtres vivants qui nous entourent, qui sont une infinité d'ailleurs, un nombre beaucoup plus excessif que nous, qui sont un nombre sans fin, les animaux, les insectes, c'est des millions, hein. Enfin même des milliards. Beckett qui disait la même chose. Ça me fait penser à Beckett qui disait la même chose par rapport aux animaux. Surtout pas écraser mon chat. Je voyais même mon chat, il fait 10 ans qu'il est mort, mon chat. Il fait 10 ans, mais quelquefois, il a peur de moi. Il voit que moi, en plus. Je ne montre jamais personne, parce que je suis très exclusif avec lui. Et donc, quelquefois, quand je fais comme ça, il fait ça. Et donc c'est dans sa tête, quoi. C'est un truc, c'est pas lui, c'est tous les chats, ils portent tous les chats, et donc et tous les chats ont quelque chose comme ça de peureux, enfin tous les animaux, quoi. On est monstrueux, nous sommes des monstres. Voilà. Par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a deux questions que Adeline ou Léonard avaient envie de poser concernant le rapport à l'image notamment. Oui, moi je me demandais si,
Parce que vous dites que dans les yeux sans suite, sans fin, que nous voyons mais nous pensons. Nous pensons sans cesse les yeux ouverts. Nous ne nous arrêtons pas de penser voyant. Notre pensée nous montre le monde. Et donc je me disais, est-ce que dans cette société du spectacle et des images, est-ce que pour vous, l'acte artistique, créer, écrire, toucher, sculpter, c'est une forme de connaissance aussi qui peut, et de résistance qui peut, pour aller au-delà un peu du trop vu de, Oh ben non, non, moi je pense pas à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Non, je pense qu'on devrait chacun donc, apprendre une langue, notre propre langue. Moi, si vous voulez, avec les mots de ma langue maternelle, j'ai fini par pouvoir dire des pour moi-même. Donc, moi, j'ai une ambition de personnel. Hein. Je n'ai pas d'ambition sociale. J'ai qu'une ambition pour moi-même. Et donc, j'ai réussi à dire autre chose avec les mêmes mots et ma langue maternelle que ce qu'on me disait quand j'étais enfant et partout que j'entends. Voilà, j'arrive à dire des choses, à pouvoir créer ma propre langue. Bon, je pense que chacun, nous avons évidemment une langue, qu'on n'est pas arrivé à... Parce que j'ai quand même travaillé pour écrire, quoi. Et donc, sur moi-même, hein, je n'ai pas travaillé l'écriture spécialement, d'ailleurs, j'ai travaillé... Enfin, je n'ai pas souffert, quoi, mais j'ai quand même... Parce que c'est difficile de faire, parce que tous, en soi, quoi, on a quelque chose... c'est la nuit totale, quoi, et bon, si on arrive à le faire surgir, évidemment, on a quelque chose... Parce que, bon, vous savez, quand je vais m'amuser, si j'y vais tout seul, il y a à moitié des choses que je ne vois pas. Bon. Quand j'y vais, je reviens au même endroit, et quand je viens avec une amie, un ami, je me dis, mais je l'avais pas vu, c'est incroyable. Je me dis, ses yeux qui voient à côté de moi me permettent de voir mieux ce que je voyais pas. Parce que si chacun on voyait pas ce que ne voit pas l'autre, on ne le verrait pas. C'est l'addition, la multiplication de la vue de chacun sur une chose qui permet de voir. Parce que si j'étais seul à voir, évidemment, je ne verrais pas. Oui, c'est très important. Nous voyons nous-mêmes, évidemment, puisque moi je ne verrai jamais que vous me voyez. Donc comme je vois vos yeux que vous ne voyez pas, c'est forcé que voyant vos yeux avec lesquels vous voyez le monde, que vous ne voyez pas et que je vois, et qui me permet de vous identifier, je vois pas tout, quand même, de voir bon, qui je vous reconnaîtrai, quoi, si je vous regarde un peu longtemps. Donc ça veut dire que vous voyez. Que moi je vois ce que vous ne verrez jamais. Et que vous voyez mes yeux, que vous voyez des choses que je ne verrai jamais. Et donc je voyais, parce que nous sommes à un angle, chacun, puisqu'on peut se déplacer, à un angle de vue différent pour chacun, vous voyez, et donc je ne peux pas être à votre place, on dit souvent, mais toi à sa place. C'est vrai que c'est idiot, c'est des paroles, c'est un engagement, parce que je ne pourrais jamais être à la place des autres, puisque je suis la mienne, donc je ne peux pas me déplacer de moi-même. Sinon je me verrais, alors. C'est formidable, ça, de pouvoir déplacer de soi-même. Enfin, je pense à elle, c'est schizophrène, peut-être c'est des maladies, je ne sais pas. Mais moi, je n'arrive pas à me déplacer, et donc c'est pour ça qu'on ne verra jamais ce que l'on voit, puisqu'il y a un autre angle. C'est pour ça que je parlais de Lydie, tout ça, et donc vous la voyez différemment de moi, tout ça, et le monde, parce qu'on est tous à un angle différent. Ça ne suffit de rien, hein. Quelques centimètres, le monde change. Ça, c'est passionnant ce que tu dis pour eux qui expérimentent l'écriture, parce que c'est, écrire, c'est voir justement, c'est, bah oui, oui, c'est sortir de la nuit, puis chercher son angle. Voilà, voilà, ouais. Je ne sais plus lequel des étudiants disait, essayer d'écrire pour avoir son monde, quoi. Affirmer son. Je sais pas, voir son point. Ne pas écrire comme. Non, parce que là, ce que moi, d'un point de vue différent des autres, son point de vue. Vous avez un monde comme le mien, mais à vous. Bon. Mais simplement, voilà, c'est pas, je crois pas, c'est,
Parliez d'influence. Apparemment, vous n'entendez pas bien. Ah, vous parliez de... Non, parce que moi, j'ai aucune influence. Oui, je parlais du monde des images. Ouais. Ah oui, donc moi, je crois que c'est soi-même. Quoi. Il faut se débrouiller avec soi-même. Vous voyez, même les livres, tout ça, il ne faut pas, non, rien. Vous voyez, tout seul, une table, du papier. Vous voyez, voilà, c'est ça qui compte. C'est, au fond, c'est travailler, quoi, sur soi. Au fond, ce que j'ai fait, c'est une psychanalyse. Hein. Je me suis psychanalysé moi-même. Je me sens tout à fait guéri et du tout malade. Bon, peut-être une question. Et puis... Ouais, moi, il y avait une phrase de vous qui m'avait intrigué beaucoup, c'était « Nous ne voyons pas le monde visible, nous voyons le monde vu ». Et du coup, j'ai rapporté ça au reste de votre œuvre. Effectivement, le fait que vous manipuliez la Terre, qui est quand même la matière primaire par excellence, le fait que vous dessiniez sur les gravures des explorateurs et des dessinateurs, ouais, qui eux-mêmes partageaient un regard primal sur un animal, donc un regard qui à la fois a été lavé de préjugés et à la fois avait vocation de faire science. Donc tout ça, ça donne à penser que, en fait, ce que vous cherchez, c'est à retrouver une sorte d'origine, un regard neuf. Mais en même temps, vous dites par ailleurs que nous avons tous nécessairement un regard neuf, puisque en naissant, nous naissons sans science, sans aucune illusion de science. Et par conséquent, ce regard neuf, on l'a déjà. Donc, est-ce que vous exprimez une amertume vis-à-vis d'un monde où on est noyé de science et par conséquent on ne voit pas par nous-mêmes, ou alors est-ce qu'on voit forcément par nous-mêmes et que c'est une joie que vous partagez? Je vais vous dire, ça me fait penser à quelque chose, là. C'est que je pense que, vous voyez, ce qui est extraordinaire quand même, parce que là, bon, je touche, là, il y a des traces, vous voyez, on pourra toujours, même avec une loupe, là, avec, on verra, bon, on dira, tiens, il est passé par là, avec mes pieds aussi, mais avec mes yeux, avec nos yeux. Il n'y a pas de trace dans le ciel. Le ciel est intact, vous voyez, l'espace sans fin, absolument intact. Je veux dire que nos yeux, ils sont aucune trace. C'est vrai que, bon, nous ne les voyons pas, et ne les voyons pas, nous les projetons si loin, et ils vont si vite, parce que... Donc, vous voyez, c'est que... Là, ça, c'est... Là, je me rends compte que si je disais avec Nuel, on ne pourrait plus rien dire parce que ce serait sali, quoi. On laisserait des traces, forcément. Bon. Et là, ça reste impeccable. Vous voyez, on a trouvé quelque chose de formidable puisque, si vous voulez, nos yeux ne laissent pas de traces. Donc, ce sera toujours intact. Enfin, moi, c'est... D'ailleurs, un livre qui a été lu, on ne le voit que s'il est abîmé, quoi. Oui, un livre neuf. Vous voyez très bien qu'il n'a pas été lu parce qu'il n'a pas été touché. Vous voyez ? Donc c'est que les mains qui l'auront touché, alors que c'est les yeux qui le voient et qui ne le touchent pas. Parce que si je touche, je ne vois plus rien. Regardez, là, il cache les mots. Mais... Donc, oui, c'est très important, ça, que les yeux ne laissent aucune trace, vous voyez ? Moi, j'ai réalisé ça. Quoi. Je réalise que quand je vois, je peux, tout ce que je vois... Alors bon, en même temps, je ne suis pas très sûr de ce que je dis, parce que je me dis, quand même, il y a des choses que... Est-ce que ce qu'on verrait pour la première fois, ici, chacun, nous apparaîtrait comme quelque chose qui n'a pas été vu? Est-ce que nous ne rêvons pas de découvrir quelque chose qui n'a jamais été vu? Plutôt que ce qui n'a jamais été touché, vous voyez? Voir quelque chose qui n'a jamais été vu, je crois qu'on le verrait. Vous voyez, malgré que les yeux ne laissent aucune trace, je crois que quelque chose qui nous apparaîtrait, qui n'aurait jamais été vu par personne, on le verrait. Nos yeux le verraient tout de suite. Parce que nos yeux ne demandent qu'à y voir ce qui n'a jamais été vu. Voir, c'est voir ce qui n'a jamais été vu. Et, enfin, par nous-mêmes déjà, mais ensuite, par tout le monde, par les autres. Ce serait du rien. Moi, quelque part, ma recherche, quoi, mon écriture... Je ne cherche qu'à voir ce qui n'a jamais été vu, vous voyez, ou à montrer quelque chose qui n'a jamais été écrit aussi, vous voyez.
C'est ça. Ça doit être formidable. D'un seul coup, mes yeux s'ouvriraient immensément. D'un seul coup, je serais un voyant. Et vous vous rendez compte, si on voyait ce que personne n'a jamais vu, ce serait extraordinaire. Ça, c'est aussi toute la dimension métaphysique, hein, aussi en même temps. De tout ça. Oui, qu'est-ce que tu penses, Thibault? Qu'on pourrait prendre le temps encore de. Tu poses pas ta question, Thibault? Demain. Donc là, ce qu'on avait prévu, c'était peut-être que Jean-Luc il nous lise encore un petit texte, et puis que, ensuite, que si tu veux, tu peux. On avait prévu jusqu'à 20h. Après, on a prévu une petite performance où les étudiants ont choisi un petit texte de l'envahissement des yeux et ils ont pris que les prises de parole au jeu. On aimerait bien. Mais tu veux pas nous lire encore quelque chose? On avait prévu que tu pouvais nous lire encore quelque chose et puis après on te présentait la performance. Chose, hein. Puis après on passait à la partie vernissage. On se ravitaille un peu, voilà, puis on parle entre nous aussi. Qu'est-ce que tu dis, Sylvie? Tu dis Jean-Luc, peut-être un petit peu encore si tu es en train de la voir. La performance, puis après on fait le vernissage. Mais là, il est 7h20, on a jusqu'à 8h. Je crois qu'il était plus tard que ça. Je vais pas dire ça. Si tu veux nous lire un texte encore, qu'on ait un peu le grain encore de cette écriture. Moi, je peux pas. Je veux dire, je lève les yeux vers le haut de ma tête, mais je ne vois que le ciel. Je ne vois pas mon visage, je ne vois rien de mon visage, comme si une main le recouvrait et que cette main me cachait mon visage pour que je puisse voir le monde devant moi, comme le soleil se cache avec la main pour que sa lumière n'éblouisse pas. Quand nous voyons notre visage dans un miroir, nous ne voyons plus que lui, comme s'il nous aveuglait. Nous ne voyons plus que la nuit. Nous ne voyons pas notre visage comme si le soleil ne donnait pas sa lumière, mais l'obscurité qui l'entoure, et qu'il n'était plus de feu et pouvait éclairer le monde. Je vois parce que je ne vois pas mes yeux. Je vois à partir de cette nuit dont le soleil me recouvre le visage et les yeux pour m'éclairer le monde. Je vois parce que le soleil du fond du ciel projette sur mes yeux sa nuit comme sa propre main immense sur mon visage infime. Je vois parce que le soleil, pour me montrer le monde sans fin, projette sa nuit sur mes yeux comme sur les étoiles dans l'infini. Je vois, mais je ne vois pas mes yeux, parce que mes yeux sont les ouvertures par lesquelles s'engouffre l'univers tout entier. Je ne vois pas mon visage, je ne vois rien de mon visage, comme s'il fallait que je ne le voie pas pour être le seul homme sur la terre à ne pas le voir, comme si je ne le voyais pas pour que je sois le seul au monde à ne jamais pouvoir détruire son image. Je ne vois de mon visage que le bout de mon nez, comme si l'infime vision que j'ai de lui me cachait une infinie partie du monde. Je ne pourrais jamais me tourner vers mon visage, je ne pourrais jamais me tourner vers mes yeux, car mes yeux m'engloutiraient en eux, je glisserais derrière eux, je tomberais en moi dans la nuit sans fin. Je ne pourrais jamais me tourner vers mes yeux, car ce serait me détourner du monde et de la lumière. Ce serait mettre dos à la terre et au ciel, ce serait être face au vide infini. Comme si mon visage et mes yeux que je ne peux pas voir représentaient ce que je ne peux pas voir des visages et des yeux que je vois, ce que je ne pourrais jamais voir des visages que je vois et des yeux qui me regardent. Comme si mon visage et mes yeux que je ne vois pas représentaient ce que je ne peux pas voir de ce que je vois, ce que je ne pourrais jamais voir de ce que je vois. Comme si mon visage et mes yeux que je ne vois pas représentaient le fond, l'intérieur, l'essence même de tous les visages et de tous les yeux que je vois, avec mes yeux, plus invisible l'autre côté de moi que l'autre côté de toutes les choses, plus invisible mon dos que le dos de toutes les plus hautes montagnes, avec mes yeux, plus inaccessible mon sommet que leur sommet. Je ne vois de mon visage que le bout de mon nez. Je lève mes yeux vers le haut de ma tête, que je vois que je vois mes yeux, parce que mes yeux sont les ouvertures par lesquelles sont faire mon autoportrait, c'est représenter ce que moi-même je vois de moi-même. Je ne vois pas mes yeux vers le haut de ma tête, je ne vois que moi si elle ne voit pas mes yeux. Parce que mes yeux sont les ouvertures par lesquelles le monde que je suis seul à voir. Je ne vois pas, je suis seul à voir, comme la
Faire mon autoportrait, c'est représenter ce que moi-même... Je vois que le ciel, et d'où je vois le monde comme un autre... Que je suis seul à voir, comme je le vois. C'est à l'endroit où je suis le meilleur de mon... Parce que mes yeux sont les ouvertures par lesquelles semble le présent de l'entier. Je vois mon visage, et d'où je vois le monde comme aucun autre que je vois. Que je suis seul à voir comme je le vois, de mon repas je suis à voir. Je vois mes yeux, parce que mes yeux sont les ouvertures par lesquelles semble le présent de l'entier. Je vois le ciel, et d'où je vois le monde comme aucun autre ne le voit. Que je suis seul à voir comme je le vois, de l'endroit où je me vois. Je ne vois que mon visage, que le lève mes yeux vers le haut de ma tête, je ne vois que le ciel. Que je suis seul à voir comme je le vois, de l'endroit où je suis. Je ne vois pas mon visage, je ne vois rien de mon visage. C'est représenté. Lève mes yeux vers le haut de ma tête, je vois que le ciel. Que je suis seul à voir comme je le vois, de l'endroit où je suis. Ne vois mes yeux sont les ouvertures par lesquelles semble que je ne vois pas mon visage. Je ne vois rien de mon visage. Thank you.